Iou. Y'a rien pour... Ah Huggy. Yeah. Ah ah ah. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et oui, je danse, je sais pas pourquoi je danse. Aujourd'hui on retrouve Poppy Playtime. Oui, sauf que je remplace Huggy Wuggy par Cartoon Cat. Et oui, pourquoi pas, c'est magique. On va voir ça et on va bien s'éclater. Et vous allez voir que ça fait vraiment très très peur. Avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Yeah. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter ceci. Ce sont des nouvelles poupées qui rejoignent ma collection. Alors non, ce ne sont pas des poupées Spice Girls cette fois, mais en cherchant des poupées Spice Girls, je suis tombé sur un vendeur américain super sympa qui vendait également ces poupées-là. Et il faut savoir que Charlie's Angels, le film de 2001, c'est un de mes films préférés. Je sais, c'est pas le meilleur film d'Hollywood et même de l'histoire du cinéma, mais pour moi, voilà, c'est un de mes films préférés. J'adore ce film, je l'ai vu une vingtaine de fois, je m'en lasse pas. Et surtout, il y a mon actrice préférée, Drew Barrymore, qui joue à l'intérieur. Et je ne savais absolument pas qu'ils avaient sorti des poupées à l'effigie des trois héroïnes du film, Dylan, Nathalie et Alex, et elles sont super belles. Ils les vendaient en état neuf, elles n'ont jamais été sorties de la boîte. Je les trouve super belles et très ressemblantes par rapport aux vraies actrices. Regardez les têtes comme elles sont vachement bien faites, elles sont vraiment ressemblantes. Les trois sont très 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 différentes les unes des autres, et elles sont fournies avec des accessoires, des tenues, c'est magnifique. Mais également il avait des poupées Britney. J'étais complètement passé à côté des poupées Britney, bien évidemment, forcément avec Free Britney et tout ça. Moi je suis fan de Britney depuis les années 90, donc j'ai pas attendu le mouvement pour être fan. J'ai pris deux tenues emblématiques, Baby One More Time, et ici c'est Born to Make You Happy. C'est assez rare à trouver, je trouve. Et c'était en état neuf, pareil, et super bon prix. Le mec était super sympa. Je voulais vous présenter ces 5 poupées qui rejoignent ma collection, et bientôt je vous montrerai. Attention, mon mur de poupées Space Girls avec d'autres qui sont ici, mais je vous montre pas pour l'instant. Voilà, c'est une surprise. Et je vous montre, elles sont placées ici en haut de ce mur d'étagère ici présent. Voilà. Et maintenant, back to the video. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Énorme merci pour tous vos commentaires. Il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo. Il s'agit de la vidéo où je faisais 3 jeux Roblox Poppy Playtime. Ça vous avait beaucoup plu, donc c'est cool. On fera peut-être d'autres sélections de jeux Roblox Poppy Playtime, parce qu'il y en a beaucoup. Le premier commentaire vient d'Eglantine Arnaud, qui me dit: Max, ça fait au moins 4 ans que je te suis et que je regarde tes vidéos, et je ne me lasse jamais, c'est complètement dingue. Merci pour tout. En fait, le merci pour tout, c'est moi qui dois vous le dire, puisque c'est grâce à vous que la chaîne existe depuis maintenant 7 ans. Et voilà, merci à vous d'être là, d'être toujours là. Merci aux nouveaux qui nous rejoignent chaque jour. Merci aux anciens d'être toujours là. Et je suis très content qu'en 4 ans, tu ne t'es toujours pas lassé de moi. Ou tu ne te sois jamais lassé de moi. On apprend le français aussi, ici. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'essaie de me renouveler tout en étant le même. Voilà, c'est pas facile sur YouTube. Faut toujours se réinventer, mais en même temps, faut garder son identité, ce qui fait qu'on est nous. Donc voilà, j'espère que c'est ce que j'ai fait. Et merci à toi de me suivre. Et merci à tous. Le deuxième commentaire vient d'Aïcha Sow, qui me dit: J'ai des questions, Max. 1. Est-ce que tu as des amis sur Roblox? 2. Tu comptes faire du Minecraft? Alors, pour la première question. Alors actuellement sur Roblox en amis, j'ai Pink Swan, j'ai Maggie, j'ai Léa et j'ai Victor. Voilà, je ne vais pas ajouter d'autres amis pour l'instant parce que c'est un petit peu compliqué à gérer. J'ai 10 000, plus de 10 000, je crois, demandes d'amis, donc ça va être un petit peu pas facile si je devais ajouter des amis. Et la deuxième question, je ne sais pas, pourquoi pas, parce que Minecraft c'est quand même un énorme jeu avec plein de jeux dedans. Donc faudrait que je me pense sur la question. Je vous avoue, j'ai pas vraiment joué à Minecraft dans ma vie, mais je connais très bien. Pourquoi pas, à voir. Si vous avez des idées de jeux à me suggérer sur Minecraft, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Et le troisième commentaire vient de Mylis, qui me dit: Coucou Max, je te regarde depuis 4 ans et je t'adore. Je t'envoie ce message à 11h12 et je te regarde à 3 minutes après ton post. C'est quoi ton jus préféré? PS, jus d'orange et pomme, pour elle, hein. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner et toi, bisous, je t'adore, j'espère que je serai choisi. Et oui, Mylis, tu as été choisi. Alors, plein de choses à voir dans ce commentaire. Déjà, dites-moi dans les commentaires là actuellement à quelle heure vous me regardez, là tout de suite maintenant. Comme ça, je saurai un peu à quelle heure vous me regardez. Donc, vous mettez 17.02 s'il est 17h02, un peu comme le message de Miley. La deuxième question, mon jus préféré. J'adore le jus d'ananas en été quand il est bien frais. Le jus d'orange classique, la base. Le jus de cerise, le jus de cerise c'est bon, mais c'est rare et c'est cher. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant on va aller s'installer dans l'espace gaming pour retrouver Poppy Playtime avec Cartoon Cat en Huggy Wuggy. Suivez-moi, let's go.
ça y est, je suis assez. Yeah, l'ours aussi, il est prêt à m'accompagner dans Poppy Playtime Cartoon Cat. À mon avis, ça va faire très, très, très peur. Donc, accrochez-vous, j'y joue sur PC. Tu lâches un max de likes, clique sur le pouce bleu. C'est parti, let's go! Oh, nous voici de nouveau dans l'écran d'accueil de Poppy Playtime avec la petite musique somme toute très sympa, l'écran d'accueil très coloré, mais qui s'annonce un peu différent aujourd'hui avec Cartoon Cat, je dois vous le dire, puisque c'est quand même un personnage qui fait très très peur. Donc on y va, apparemment en plus, regardez, il y a une mise à jour, il y a un bouton merch, mais on va faire play, et apparemment on peut également passer la cinématique du début. Oui, il y a skip, ça y est, on peut skipper, ouais, et voilà, ça y est, nous sommes dans l'usine. Ça fait super plaisir de revenir là. Donc en plus il y a vraiment une mise à jour du jeu, donc je vais voir s'il y a peut-être des différences, des choses nouvelles. C'est trop cool, regardez. Déjà, bon bah c'est le même code hein, c'est vert, rose, jaune, rouge. Les petits personnages sont là. Il y a toujours des trucs ici. Ok. Ok, mais il faut toujours aller mettre la cassette pour déverrouiller le grab pack. Donc c'est ce qu'on va faire. On peut rien attraper d'autre sinon. On peut placer ça là. Bien évidemment. J'apprécie beaucoup. Tac tac. On va aller placer l'autre. Et bah pourquoi il y a une peluche? Il y avait une peluche là avant. Je crois. Hein. Ouais, je crois qu'il y avait une peluche là avant. Mais bon, quand même, c'est un peu bizarre parce que je l'ai pas vu souvent. Donc bon. Allez, on y va. Oui, ouverture. On prend la gazette bleue, on la place zizi et zébardi. Hop là, merci. Pourquoi il y a ça qui est allumé, on dirait, alors que les autres, ils reflètent rien, vous avez vu? Là, ça reflète, c'est allumé, on dirait, et là, c'est tout noir. Oh, la musique! La musique! Pardon, c'est un petit interlude musical en attendant que le grappac se libère. Libéré, délivré. Pardon, bah, disons que chaque mot peut être propice à une chanson. Non, la chanson, j'ai pas de chanson. Chanson, chanson. Oh! J'ai cassé l'ordinateur, mais. Mais regardez-moi ce vieil ordinateur! Il s'appelle Jordi. C'est Jordinateur. Bon, je pense que Guiwegi pourrait me frapper pour une blague de ce niveau. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, vous savez. Voilà. Bon, les chaises, hein. Voilà, c'est pas que vous m'embêtez, mais je veux plus vous voir. Voilà, partez, partez, partez. Tiens, on va faire un petit coup de noclip pour voir s'il y a des différences. Alors, ça y est, je suis en mode noclip, regardez. Oui. Hop là. Oh. Alors, est-ce qu'il y a des différences? Parce qu'apparemment, le poids du jeu était beaucoup plus réduit. Ils ont dit qu'ils ont enlevé plein de fichiers qui n'étaient pas nécessaires. Bah écoutez, apparemment, hein, il y a toujours des espèces de pièces cheloues qui sont là, avec des grandes plaques blanches. Je ne sais pas trop pourquoi, après tout. Hein, ça, c'est toujours là. Les lampes là qui flottent, et peut-être que ça forme un mot, hein. Ou une lettre, ou un code, ou un message codé, un message caché, je ne sais pas. Il faut peut-être se placer bien, bien, bien pour voir les trucs. Mais c'est un peu mystérieux, je ne sais pas. Regardez, ça fait pas... On dirait pas que ça fait Poppy, la forme... Enfin, Huggy, pardon. La forme, là, avec... Regardez, ça fait ça, 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 le corps très long, les bras, là, très longs. Oh, ça se trouve, c'est une forme de Huggy. Attendez, si je me mets... Là, faut peut-être aligner les trucs. Non, vous voyez ce que je veux dire? Si on aligne les lampes, ça fait peut-être un truc. Par là, regardez. Non, mettre par là. Là, encore un petit effort. Là, là. Non, c'est pas Huggy. C'est Huggy. Ça fait une forme de Huggy. Regardez, là, il y a la tête là qui fait une espèce de truc. Là, il y a comme une feuille ici, une feuille là. C'est Huggy en lampe. Bah, c'est creepy. Je reviens là-bas. Voilà, je peux prendre mon grab pack. Merci. Oui. Oui. Je peux tout casser. Casser les chaises. Et les tables aussi. Et oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Wouhou. Oh, attendez, il y a un truc que j'ai jamais essayé. Est-ce que les jouets là-bas, on peut faire également sortir Huggy de la boîte? Oh, il y avait une plaque. Oh, c'est quoi ça? Oh, waouh. Ah, oh, ça fait rien. Ah, oh, mais là y a rien, là y a rien. Like drone. Y a pas une boîte où y a un Huggy? Ou elles sont toutes vides? Poussez-vous, poussez, poussez-vous. Non, c'est vide. Là c'est vide. Là c'est vide. Tout est vide. Pourquoi la boutique de jouets elle est vide?
Qui va nous expliquer? Hein? Hein? On peut avoir une explication sur tout ça? Dans le chapitre 2, par exemple, hein, ça c'est quoi comme jouet? Boogie Bot. À mon avis, il y aura d'autres monstres hein, dans le chapitre 2, parce que regardez, peut-être que Yuugi c'était juste une expérimentation. Là, on a le chat, là, le Candy Cat, qui à mon avis peut faire peur en version horreur, parce que, rappelez-vous, regardez, Huggy Wuggy ici, il fait pas vraiment peur sur le dessin. En vrai, avec ses dents, hein, alors imaginez lui, là, le chat, là, je suis sûr qu'ils vont nous faire ça. Et là, il y a un autre truc, c'est le robot. Mais, comment elle dégage la boîte? Attendez, par là, regardez, regardez, le robot, là. Vous voyez le robot, là, Boogie Boat? À mon avis, ça va être un robot méchant. Oui, il y a quoi d'autre? Ça, c'est Huggy... Ok, il n'y a que 3 jouets, hein. Le chat, c'est celui qui donne le cadeau. On est... Ah, mais non, il y a le dinosaure aussi, là. Il y a Poppy, bien sûr. Il y a Missy Kissy, bien évidemment. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir Cartoon Cat? Est-ce que vous êtes prêts à voir Cartoon Cat? Attention! Oh, non! Non, 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 non! Je veux pas faire le jeu. Je veux pas le regarder. Mais il est méga extrêmement flippant, là! Ah! Il nous fixe! Ah non, non, non. Pourquoi je fais ça? Et pourquoi je fais ça? Regardez! Oh, il est affreux avec ses dents et tout. Déjà, un chat avec des dents, c'est creepy. Mais alors là, oh non, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Non! J'ai pas envie! Youhou! Mais retourne-toi enfin, Benoît! Les boîtes sont vides et il y a écrit Bendy. Pourquoi il y a écrit Bendy? Regardez. B-E-N-D-Y. Pourquoi il y a écrit Bendy? Bon, on a la musique. It's ready, ready, running the ring, screaming top. Wouh! Waggy, trying to ready, running the ring, screaming time. Bon, eh bien, nous n'avons pas... Regardez, il est flippant. Hein. Il est fait en fourrure ou... ouais, chelou. On va aller voir à l'intérieur de lui. C'est parti, volons vers... Oh! Regardez-moi ça! Iou! Il est vraiment pas beau! Oh! Regardez ses dents. Oh! On dirait de la viande. On dirait une saucisse! Trop chelou, là! Oh! Il a les gencives en saucisse, les dents en verre. Et alors les yeux? Oh, on est dans le chat. On est dans Cartoon Cat. Oh, on n'est plus. On est en dessous. Regardez. Il y a des nouveautés, il y a des choses. Non, il n'y a rien. On est toujours... C'est quoi ça? Un couloir? Oh, mais c'est le couloir où arrive machin là. Et hop là, ici on va là. Bonjour. Ensuite on va là. Et on revient. Ah, on revient là. Oh, tout est connecté, tout est lié, c'est sympathique. Là, il y a une plaque blanche, et là, on retourne au chat. Le minou, psychopathe, hein. Bien, alors nous allons débloquer ça. Attention. Coucou. Merci. On a l'impression que où que j'aille, il me fixe du regard. Regardez, je vais à gauche, il me regarde. Je vais à droite, il me regarde. Oh, j'aime pas ça! Je vais devant, il me regarde. Je vais tout en bas. Il me regarde. Ouh! On va y aller, nous, hein. C'est pas tout ça, mais on a des choses à faire, hein. Bissikissi, aidez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un, quelque chose. Écoutez-moi, j'ai besoin de votre aide. Hop là, on va remettre le coup. Oh, j'aime bien voir là. Regardez. Wouh, 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 wouh. J'aime bien avoir le cordon lumineux. Ah non! Il est où encore celui-ci? Oh! Il est pas là. Il est parti là-bas. Ouvre la porte, s'il te plaît. Voilà. Zuber. Merci bien. Bonjour. Ah! Nous avons la main de Guiwagi. On va aller vérifier que c'est bien lui. Zébardé, on vole vers la main de Guiwagi et on se retrouve face à... Mais il y a rien. Il y a rien pour... Ah! Oh! J'étais pas prêt. Je m'attendais pas à le voir comme ceci. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir.
Qu'est-ce qu'on apprécie cette vision d'horreur, bien évidemment. C'est affreux, c'est le monstre le plus horrible de tous les jeux vidéo. Vraiment. Non mais là, ils ont réussi à faire quelque chose. C'est un croisement entre une araignée, un insecte, un monstre. Et en même temps, il y a le côté peluche qui rappelle l'enfance et tout. Bonjour, je suis dans la bouche de Guigui. Bah non, on va plutôt le voir s'en aller. Oui, il est parti. Tant mieux, hein. Voilà. La 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 la. Ouverture des portes. Bien. Il y a rien ici. Tant mieux, tant mieux. On va aller faire les carrés, les cubes de couleurs et on va aller voir s'il y a la tête de Guigui ou la tête de Karutuno 4 dans le truc. Donc on prend le bleu, on met le bleu. Voilà. Wouhou ! Pouf. On va récupérer les autres blocs. Ça c'est un jouet bien évidemment qu'on ne peut pas attraper pour une raison qui m'échappe. Nous allons ouvrir la porte coulissante. Oui messieurs dames, ça y est, est ouvert. Bonjour la petite tête de petit bébé psychopathe. Ça je prends. Merci bien. Ce jouet. Oh bah voilà. Là on peut le prendre. Youpi. Youpi, dans son lac Carioca. Qui connaît? Dites-le moi dans les commentaires. Oh, oui, ça y est, j'ai récupéré ça. On va retourner là-haut. Oui, 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 oui. Oui, plus haut. Oui, plus haut. Que tous les soleils qui manquent à tes rêves. Il va être là. On va aller voir tout de suite. C'est parti, je flotte et je vole et je flotte et je vole et je flotte et je vole et je vois qu'il... Ah ! Il est là ! Mais vas-y, mais calme-toi ! Mais d'où t'es là ? Il me regarde avec ses dents là ! Je ne le supporte plus, Huggy Huggy ! Là là ! Oh, bah, je suis parti tellement loin là ! Il est où ? Huggy ! Huggy ! Ah, il est là ! Bonjour ! Bon, tu vas t'en aller quand je vais venir, c'est ça ? Voilà ! Il est tout couché là ! Il est tout allongé ! Bon, on y va. C'est parti. On y va. Est-ce qu'il s'en va dès qu'on regarde ou... Bonjour. Bonjour. Je suis là. Regardez, je lance sur lui. Je te vois. Je te vois. Tu vas. Ah, il me voit aussi. On est content. On va aller chercher le jaune. Qui est là. Je sais pas pourquoi ils apparaissent comme ça de façon aléatoire. C'est chelou loulou. C'est chelou loulou. Je vais faire la cassette vidéo quand même. Qui est là. Parce que ça fait plaisir. Je peux pas faire tomber ça là. Pousse. Poussez-vous. Je ne peux pas. Je ne le peux point. Je ne le peux plus. Allez, j'ai envie de faire tomber tout ça moi. Mais... Oui. Il est tout cassé, je m'en fiche. Quitte à avoir peur, je vais tout saccager dans leur usine, psychopathe. Voilà. Voilà, il n'y a pas des secrets en haut, attendez. C'est quand même bizarre, on est venu là plein de fois et on n'est jamais monté. Déjà, le puis-je. Le puis-je. Le puis-je. Non. Il est tout cassé. Oh, j'ai fait tomber toutes les boîtes. J'ai fait tomber tous les jouets. Bon, on y va. Je vais aller placer le dernier petit cube et on va récupérer la main gauche, droite. La main droite. Bon. Bah, voilà. Ça c'est fait. Ok. Bip, 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 bip. Voilà. En avant, Guingamp. On va récupérer ma main droite, s'il te plaît. On va se mettre en dessous. Oui. Est-ce qu'on aime se prendre des caisses sur la tête? Oui. C'est mardi. Allez, 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 olé, olé. Donne-moi ça. Oui. Ah, boum. Et voilà, nous avons nos deux mains. À demain. Ah, à demain. À deux pieds. L'enchaînement des blagues est formidable. Il y a un truc qu'on n'a jamais fait, c'est retourner là-bas. Une fois qu'on avait les deux mains. Je peux ou je peux pas? Si je peux, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. Mais je crois qu'ils ont fermé. Hein. Ils ont fermé, il me semble, on avait déjà vu. Voilà, voilà, ils ont pensé à tous les coquinous. On n'a pas de traces de Guigui, hein, ici. Non. Non. Très bien. Eh bien, allons-y. Allons-o. Allons-a. C'est parti. C'est par là.
c'est le rouge, c'est le bleu, c'est le pouvoir du rouge et du bleu. Ouverture des portes. Hop là. Ah, on est là. On est content. Et ça c'est bien. Bien, bien, bien. Ici, vous le savez, il suffit de retourner. Je vois rien. Je vous rappelle que je tourne avec la lumière devant moi et que c'est pas évident parce que au niveau de la luminosité de l'écran, je vois beaucoup moins. Voilà, ça y est. C'est par là, j'ai retrouvé mon chemin. Le 1. Et attendez, on peut faire dans l'autre sens. Je peux prendre avec le rouge, plutôt. Voilà. Je peux prendre avec le rouge, hein. Voilà, et faire le bleu ici. Mais oui, ça marche! Oh, mais oui, peu importe l'ordre. L'important, c'est d'avoir connecté les deux petits boutons, le 1 et le 2. On approche de l'usine, on approche de Cartoon Cat en version mobile, hein, c'est-à-dire qui peut bouger, hein, non pas la version portable, hein, Huggy Wuggy Puppy Playtime n'existe pas. En version mobile, on l'avait déjà vu dans une vidéo, hein, où les jeux étaient pourris, pourris, pourris. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter, les petits jouets, là. Bon. Oh, attendez. Je vais faire le mode no clip maintenant. Regardez. Il y a ma main qui s'en va normalement. Oui, elle est là. Regardez. Elle est là. Oh, il y a les jouets qui tombent. Bonjour, bonjour. Est-ce que les yeux sont là? En dessous de la couverture. Ils sont là ou pas? Sous le... Ah oui, ils sont là. Regardez le truc blanc là. Les yeux sont déjà là de la machine maudite qui nous regarde. Là, le blanc est là. Très bien. Et est-ce que Huggy se cache quelque part? Bon bah là en même temps c'est Cartoon Cat hein. Donc je pense pas. Voilà, c'était bien ce qu'il me semblait. Il est spawné bien plus tard. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Il ne nous reste plus qu'à activer l'énergie. Pour ceci on va monter. Et aujourd'hui j'ai bien envie de refaire bugger Huggy Wuggy. Bon bah là ce serait Cartoon Cat. On va essayer de le faire sauter dans les airs. On va placer la boîte autant de fois qu'il le faut pour qu'il saute. Et on va essayer d'y arriver. C'est parti, pour l'instant on va refaire ceci. Bim! Ça là! Voilà! Super! Et je peux même sauter et être ici dans le ciel. Et ça c'est beau. Attention, on va descendre et on va activer l'énergie. Oula! Je vois trouble. Ah! Ça y est! Activation du pouvoir! Make a friend! Ouverture! Chouchou! Ouh! Bonjour les yeux creepy! Nous allons pouvoir ouvrir ça. Ça fait quoi si on attend vraiment longtemps avant de faire le truc? Et je le fais maintenant. On va voir, hein. Est-ce que ça va faire un jouet chelou? Non, je pense qu'il faut attendre que les trois arrivent pour que le jouet arrive. Vous voyez ce que je vais... Oh, mais à quel moment ça se transforme? On va voir. Allez, Zébardi, on est là. Donc les jouets passent par là. Regardez, il est là. Là. Ah, 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 ah. On suit le jouet, on suit le jouet. Donc il y a toujours que trois bouts. Donc vous avez vu, hein. Ça apparaît en mode coucou. Comme ça. Donc, il n'y a pas de magie, hein. C'est vraiment... voilà, on ne peut pas faire autre chose. Là, ils disparaissent. Et il va y avoir normalement... Voilà, ça s'est assemblé tout seul. Bah, dis donc, ça, c'est une machine très efficace. Regardez, il a des petites ailes et tout. Il est trop mignon. Attention, laser. T'es content? Il a l'air blasé, le jouet. Il s'est dédoublé. Ça aussi, c'est formidable. Et on va pouvoir aller le récupérer. C'est parti. Allons récupérer le jouet. C'est mon jouet. C'est à moi. Il est à moi. Il est à moi. À moi. Voilà. Super. Maintenant, on va le placer là. Super. Et maintenant, c'est le moment de voir Cartoon Cat. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt. Parce qu'à mon avis, il va avoir une autre tête hein, que tout à l'heure. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, il va faire peur. On peut pas aller là? Non. On peut pas aller là? Non. C'est parti. 3, 2, 1. Ah, il a la même tête, mais c'est une tête méga creepy! Regardez ses pieds! Oh là, comment il se baisse! Oh, on dirait une espèce de gros insecte chelou! Ah, non! Laisse-moi, Cartoon Cat! Non! 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 J'ai l'impression qu'il va plus vite que Guivogi. Tu peux me laisser? Tu peux me laisser? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non! Arrête! Arrête! Il est méga trop flippant! Non! Tu veux me faire un câlin? Bah viens! Viens! Ah! Il est horrible!
Il a ses grosses dents là, il est stoïque, il bouge pas, il est en mode... Oh non, j'aime pas. Je n'aime pas Cartoon Cat, il me fait peur. Je ne verrai plus mes chats de la même façon maintenant, bien évidemment. Bon, on va essayer de le faire bugger. On va placer la boîte, vous le savez, perpendiculaire à la sortie de là où il est. Et on va voir s'il va aller dans les airs ou s'il va simplement faire décoller la boîte. Tout se passe avec cette boîte-ci, apparemment. Peut-être qu'on peut essayer avec une autre boîte, mais je sais pas. Vous voyez, ça coince là. Ok, voilà, là ça me semble bien. Bonjour, Cartoon. Voilà. On y va. Est-ce que tu vas bugger? Oui. Oh non, il a pas bugué. Ah, bon, on va le voir comment il va nous attraper en mode no clip. C'est parti. Coucou. Attention, attention. Ah, il a les yeux qui vont sur le côté. Non, il est pas beau, il est vilain. Bon, bah, il faut vraiment le faire bugger là. Il faut qu'il saute dans les airs. Moi, je veux voir ça. Viens ici, ma petite. Voilà, c'est parti. Bonjour, mon petit. Ah, il est dans le mur. Non, mais déjà, il bug. Non. Oh, waouh. Presque. Il a presque bugué. Bah oui, mais... Non. Non. Laisse-moi. Je peux aller là? Est-ce que je peux aller là? Non, je peux pas aller là. J'ai pas réussi à le faire bugger. Ceci dit, attendez, on va essayer avec autre chose. On va essayer avec celle-ci. On va mettre les deux boîtes. Peut-être que ça peut fonctionner. Alors attendez, déjà celle-ci, il faut que je la mette comme ça. Et l'autre, eh ben on va la pousser tout simplement pour qu'elle comble le vide ici. Ici. Bon bah là il passe pas. Bien. Coucou. Ok. Non. J'étais trop loin. Oh oui, 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 oui. Allez, allez. Wow, il a complètement volé. Bon, bah, il a pas décollé, mais il a volé. Donc, c'est sympa. Il a été en avant, en arrière. Bien, bien, bien. Sauf que j'ai plus la boîte. Oh, ah bah, si, elle est là. Est-ce que vous croyez que je vais réussir à l'amener là-bas? Il est ici. Voilà. Voilà. Non. Non. J'ai plus le temps. Bon, on va réessayer de faire la boîte longue, mais on va quand même placer la boîte carrée pour pouvoir sauter par-dessus la barrière et voir comment il nous regarde en mode comme ça. Nous abandonnons un écran blanc. Heureusement qu'il n'y a pas de nombre de vies limité, c'est infini. Donc on peut faire ça autant qu'on veut, même si j'aime pas avoir les screamers autant que je veux. Hein, voilà, voilà. Qu'on se le dise. Bien, alors, on va... essayer une dernière fois ça, tant pis. Écoutez, on va essayer là. Je vais prendre ça, tac, je vais placer ça là. Ça, il faut l'amener un peu par ici. Viens ici, gros carton. C'est un carton rempli de Poppy. Ah, mais ils sont là, tous les jouets Poppy que l'autre disait dans la cassette, là. Ils sont où, les jouets Poppy? Ils sont où? Bah, ils sont là. Peut-être, hein, j'en sais rien. Ah non, c'est Playtime & Co, c'est le nom d'entreprise. Rien à voir. Bon, on va le laisser là. C'est bon. Toi, tu viens là. Tu te mets, par exemple... là, Zébarvet, ça fait une petite marche. Et on va aller chercher Carotoon Cat. Oui. Oh, oh. Pourquoi il est décalé? Bon bah, ça lui a rien fait du tout, hein. Allez. Allez. Ouah. Et il est coincé. Ah. Il est coincé sous l'escalier. Mais ça fait peur. Ça fait méga peur. Il me fixe. J'ai pas envie d'avancer. Ah. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'il allait m'attraper, celui-ci. Gros vilain, hein. Gros vilain, ce Cartoon Cat. Regardez. Regardez comment il me regarde en mode... Tombe. Tombe, que je puisse manger. Tombe. Eh ben non, je tomberai pas. Voilà, c'est tout. C'est décidé. Je ne tomberai pas, Cartoon Cat. Ah, il bug toujours, hein. Oui, oui, oui. Oh, il y a la machine là qui me regarde en mode... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah! Mais il me regarde en version décalée! Youdoudou, youdoudou, youdoudou. Bon, mais il est temps d'aller voir Cartoon Cat en mode 1 hein, qui court dans les conduits. Pouf! Il s'est débloqué et on est content ou pas. Bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour. Oh! Ah, il est... Quand il est fixe, il est... Ah! Ça y est! Lumière, s'il vous plaît! Merci bien! On va voir comment il s'est préparé. Alors, comment il se prépare? C'est ici. Quelle horreur! Il est énorme par rapport au conduit.
Mais c'est pas humain d'être grand comme ça. Oui, bon, d'accord, c'est pas un humain, ça je sais, mais quelle horreur! Il va me faire flipper dans les conduits en courant encore, blablabli. On y va? Regardez, ça va aller vite. Faites attention. Ah! Méchant que tu es, Cartoon Cat. Méchant. Vilain, regardez. Ouh! Mais cours! Ah! Non! Non! Il m'a attrapé parce que je voulais le regarder en arrière. J'ai pas aller. Il va falloir aller vite. Il va falloir aller plus vite. Il va falloir courir dans les conduits. Mais oui. Mais moi je voulais le regarder. Et je. La curiosité est un vilain défaut. Bien évidemment. C'est parti. On est là. Allez. Une dernière petite fois. On sait jamais. Hein, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. On va le mettre là. Mais non, mais là. Bon, écoutez, tant pis, hein, on y va. Bonjour. Au revoir. Sympathique. Il est où? Bah oui, mais bon, s'il passe là aussi, hein, on n'est pas près de... Bon, on y va. Par ici. Youpi. Bonjour, Cartoon Cat. Miaou, miaou. Oh ah. Non. 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 Je vais aller par là. Par là. Par là. Regardez. Ah! C'est où? Je suis à l'envers. C'est par là. Ah! Ah! Non! Regardez! Regardez! Ah! Non! J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est par là. C'est par là. Vas-y. Non! Ah oui! Il faut que je m'accroupisse. Il va passer à côté de moi. Allez. Ah! Parce qu'il est trop gros. Je crois qu'il allait passer à côté de moi. Ouh! Je pensais que ça allait marcher le bug. Mais non, parce qu'il est trop gros. Donc il m'attrape. Bon, on le fait sérieux cette fois? Allez, parce que je vais mûrir. On y va. Bonjour. Au revoir. On fonce comme jamais. Et on va aller par là. Tac, allume-moi ta lumière. Par là, par là, par là. Oui, 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 oui. Bonjour, au revoir, merci, j'ai pas envie de toi. Non, 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 non. Par là, par là. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. En mode speedrun de la muerte. Allez, allez. Ok. Go. You. C'est où? Ah, c'est là. Speedrun, tu pars, je me suis planté sur toute la ligne. Ok. Allez. Voilà. Ensuite, c'est par là. Ensuite, c'est par là. Ensuite, c'est tout droit. Tout droit. Go. Go. On y va. Par là. Avance, 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 avance. Par là. Oui! Et là. Oui! Oui! Ah! Non! Ah! Non, pauvre chat! Il est temps d'aller le voir dans les profondeurs de l'enfer. Pourquoi mon pistolet il est coincé? Ah, ça y est! J'étais coincé avec mon pistolet! Allez, on va voir le chat! Minou! Minou, minou! Miaou! Où es-tu? Oh! Il est là! Et je vole! Je me raccroche à la vie. Je suis un petit chat maudit. Oh, regardez-moi ça. Et... Oh! Ah oui, là, il a l'air bien étonné en mode... Je tombe! Regardez ses grosses mains, là. Faites en... On dirait du coton. Ok. Ses jambes, elles sont creepy parce qu'elles sont toutes pointues. Regardez ses pieds. Il a des petits pieds, on dirait des couteaux. Oh, on dirait quand même une espèce de réglisse. Bon, tout chelou, hein. Bah, 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 bah. Nanananana. Allez, au revoir Cartoon, à bientôt. Nous on va aller voir Poppy, parce que ça fait longtemps. Elle nous a manqué un peu, non? Non, pas du tout, mais on va aller la voir quand même. Parce que bah, sinon on peut pas terminer le jeu. Ah oui, ah bah oui. Hop, hop, on va voir Poppy. On est content, content de voir Poppy. Non, 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 non. On est pas content. Tiens, on va placer ça quand même. Tac. Peut-être que ça déclenche un nouveau truc, je ne sais pas. Ok. Ça n'a rien fait de particulier par rapport à avant, donc... Bonjour, bonjour!
C'est par là, Poppy? Oui. Oh, comme c'est mignon, charmant. C'est mignon, comme tout. Allez, avance, mon petit. N'aie pas peur. Va voir la poupée Poppy. Poupée Poppy, poupée Poppy, poupée Poppy, poupée Poppy, poupée Poppy. Pardon, mais on essaie de se rassurer comme on peut, parce que là, elle va ouvrir ses yeux encore comme un démon. Ah, c'est beau, hein? C'est beau quand même, mais c'est pas possible, quoi. C'est moi, elle a changé de coupe de cheveux. Enfin, ses cheveux sont un peu plus... je sais pas. La petite mèche, là, sur le devant, non, je ne sais pas. Wow! Bonjour. Oui, voilà. Super. Oh, eh bien, écoutez, cette version Cartoon Cat est quand même très flippante, hein, parce que le chat de base est un peu flippant, avec ses grands yeux et ses grandes dents, mais voilà, c'est toujours étonnant, hein, de voir ce jeu avec des monstres différents, donc dites-moi dans les commentaires, eh bien, si vous voulez qu'on fasse encore avec d'autres monstres, il me reste Missikissi et également Elmo en stock. Bravo à Full Titan d'avoir créé ces mods, hein, je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, et puis, bah, évidemment, n'oubliez pas de laisser un max de likes, abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!